Salut à tous, c'est Tom et on se retrouve aujourd'hui pour un gameplay un petit peu spécial puisque c'est le premier gameplay que vous voyez sur la chaîne, le renouveau je dirais de la chaîne où il va y avoir des gameplays sur Fortnite, sur PUBG et de multiples jeux. Donc voilà, je vous laisse avec un gameplay que j'ai fait en live il y a quelques jours. Pour ceux qui suivaient le live, vous l'aurez vu. Pour les autres, je vous laisse le découvrir. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous souhaitez que je fasse des lives plus réguliers, si ça vous intéresse. Et dans ce cas-là, sur quel jeu? Moi, je vous avouerai que je suis pas mal sur Fortnite en ce moment. Là, c'était mon premier top 1 en live. Donc voilà, je voulais vous le partager. C'est pour ça que je le remets en ligne pour vous. Donc profitez. Et puis je vous souhaite une bonne vidéo et n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Alors, où est-ce qu'on va aller? On débute là, j'hésite entre Pleasant Park et Anna. Ouais. Dusty Depot. Allez, on tente la ferme. On tente la ferme pour commencer ma première game depuis, depuis plus d'une semaine. Donc, je suis pas super chaud pour l'instant. C'est pour ça qu'on va se faire plusieurs petites parties. Et j'ai pas encore testé la nouvelle arme, donc on va voir ce que ça donne la nouvelle arme. Apparemment elle est pas dégueu. Donc on va voir ce que ça donne. Ouais, j'ai des petits rollbacks, j'espère vraiment que ça va pas être contraignant parce que vous savez très bien que ce jeu est à une balle près, ça se joue. Et voyez comment je lag. Alors ce qui est marrant c'est que j'ai des petits rollbacks, je lag pas forcément dans le jeu, mais c'est très désagréable et je pense que si je dois viser ça va vite être chiant. Ah, j'ai un gars qui est là, avec moi. Il va au même endroit ou pas? Est-ce qu'il va au même endroit? Non. Ok, lui il va dans la petite maison qui est juste là. Ok, ça marche. Allez, on traîne pas. On va chercher le premier coffre. Ouh, on se met à peu près bien dès le début. Allez, vous voyez là par exemple l'arme, je l'ai pas prise alors que j'avais bien appuyé. Le petit shield qui fait plaisir. Tac. Voilà. Allez. Je vais prendre cette arme là aussi en attendant d'avoir un pompe. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau là? Une grenade. On va prendre les grenades. Ici. Du medkit. Ça c'est bon. Je vais directement prendre le shield. Et j'essaie de voir où il est l'autre là. Il doit être en train de loot tranquille. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Un pompe. Ok, nice. Ça m'arrange. Bon, point positif, il n'y a personne avec moi. Il n'y a pas non plus de coffre ici, par contre. Il n'y a personne avec moi. Donc, ça, c'est plutôt bon pour un début de game. Et apparemment, le flux se serait amélioré. J'ai plus trop de secousses. Alors où est-ce qu'il est? On va aller le chercher petit à petit. Hein. C'est peut-être lui qui va nous chercher. C'est peut-être lui qui va nous avoir, mais bon, on va essayer. Allez. Là, il y a un coffre. Un petit piège, ça peut servir. On ne sait jamais. Ok, faudrait que j'arrive, réussisse à passer. Ça tire. Ok, rien de très intéressant, à part le bandage. Alors. Où est-ce que ça se fight? On va essayer d'aller prendre les derniers kills. Bon, niveau discrétion, on a vu mieux. Au moins j'ai de la grenade. Il est là. J'entends du pompe. Je ne sais pas où il est. Il est là-dedans, à mon avis. Allez, ça va être le premier duel. Qu'est-ce qu'il a ouvert lui? Ah si, il ouvre les portes, donc il est bien là-dedans. Il est en train de looter. Je vais attendre qu'il aille prendre le shield.
Le chez le coffre. Allez. Merci mec. C'était sympa de t'avoir connu. Allez. En plus, il était pas mal stuff. Donc j'ai bien fait d'attendre. Pour ne pas me faire avoir parce qu'il y avait de fortes chances avec le stuff que j'avais que je me fasse avoir par rapport à ce que lui avait. Bon, allez, ça c'est plutôt bueno. Est-ce que je prendrais pas ça à la place de la grue aussi? Je vais prendre ça. Et maintenant, on va faire par contre attention parce que on l'avait repéré lui. On l'avait repéré, mais je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. Là, on n'a rien. Si, je crois qu'on a un petit coffre encore là-haut. Non, j'entends rien. Il n'y a pas de coffre. Non, mais ok. On va aller visiter les bâtiments qui sont à côté. La zone se rétrécit bientôt. Mais bon, ça va. Alors, n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans le chat. Je vais aller voir vos commentaires après. Parce que là, je j'ai pas mis mon portable, mon autre ordi à côté. Ce qui fait que je ne vois pas vos messages. Mais je vais y répondre quand on va changer de game. À savoir, j'ai pas encore fait de top 1. Donc si je fais un top 1 ce soir, je suis plutôt très content. D'habitude, je fais pas de top 1. Donc on va bien voir ce que ça donne. Enfin, je fais pas de top 1. Ça m'est pas encore arrivé. Enfin, si, j'ai fait un top 1, mais c'était en squad. Et c'est pas moi qui l'ai fait, c'était vraiment la squad survivante. Ça a été looté. Ouais, ça devait être lui. Vu le stuff qu'il avait, à mon avis, c'est lui qui avait déjà looté pas mal de choses. On aurait pu aller check là-bas. On aurait pu aller check ce qu'il y avait là-bas, mais bon. On va pas trop se risquer. Sur la map, qui peut venir de derrière? Quasiment. Théoriquement, personne. Après, bon, ça peut toujours arriver dans ce jeu. Mais bon, il y a de fortes chances qu'il n'y ait personne. Je vais quand même checker un petit peu. Bon, et puis de toute façon, là, la zone est très très lente à ce niveau-là du jeu. Donc on a vraiment le temps de voir venir les choses. Là-bas, il y a un shield, par contre. Ou il y a quelque chose en bleu. Je vais le chercher et après, on va se barrer dans la zone. Si c'est un shield, ça m'arrange parce que l'autre m'a quand même bien pété le shield. Ouais, ça doit être un shield et c'est. C'est pas du tout un shield. C'est pas grave. C'est de la merde. C'est de la merde. On va en profiter pour checker ici. Ça a l'air d'être relativement calme. Hein. Ça a l'air d'être relativement calme. Je pourrais peut-être en profiter pour faire un petit peu de matériaux. Se faire un peu de briques. Et j'ai une idée pour les prochains gameplays là qui vont arriver là. Prochaine partie que je vais faire. J'ai testé la dernière fois quelque chose et j'ai échoué bêtement. C'est de monter le plus haut possible dans Fortnite en fait. En faisant une construction sans être vu, donc c'est super chaud. On va voir ce que ça donne. Là il y a des armes, tiens. Allez, on se casse. La zone arrive. D'ailleurs, c'est totalement bête ce que j'ai fait parce que je vais quand même me prendre un petit peu de zone alors que j'aurais pu l'éviter. Bon, en soi, c'est pas gênant, on est juste à côté, mais bon. C'est quand même dommage, je vais arriver, je pense, à 90. À peu près. 91. 91, mais au moins, voilà, on a une vision et théoriquement, personne n'arrive derrière. Si vraiment quelqu'un arrive de là. C'est que j'ai juste pas de chance du tout. Hein. Bon, alors, où est la prochaine zone? Ah, elle est pas. On va aller par là. On va aller par là. Alors attendez, c'est par où? Merde. Ah merde. J'ai mis le repère pourtant. Ah non, je l'ai enlevé. Tac. Voilà, c'est bien par là. On va aller voir ce qui peut y avoir par là. Bon, alors par contre. Quelque chose de plus intéressant parce que là je décris beaucoup le jeu et vu que je sais pas s'il y a du monde ou s'il y en a pas,
D'ailleurs, s'il y en a, n'hésitez pas à partager le live pour que ça ramène un petit peu de monde, ça peut être sympa. J'ai changé de PC, c'est pour ça en fait que vous me voyez sur ce jeu. Parce que sinon, c'était pas du tout prévu que je refasse du. Oh, il y a un shield. Que je fasse du gameplay sur du jeu vidéo, c'était pas prévu. Pas aux dernières nouvelles. Et en fait, j'ai changé de PC sur. Pas un coup de tête, hein. Ça faisait longtemps que j'en avais envie. Ce qui fait que voilà. Hop. Je vais le voir juste là. Le shield qui va faire du bien. Nickel. Allez, on reprend les bandages. Bon, par contre, je suis content, ça ne lag pas. C'est plutôt pas mal. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et on va se rapprocher de la zone. Putain, j'arrive plus à parler. Je suis désolé, les gars, j'arrive plus à parler. Ça y est. J'aurais bien pris un petit peu de hauteur. Est-ce que ça va nous servir de prendre de la hauteur? Beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Personne. Pas beaucoup. On va quand même essayer de prendre un petit peu de hauteur parce que j'ai pas envie de me faire back. Et d'être archi bas. Et je me méfie également des buissons. Parce que vous l'avez vu maintenant. Tout le monde peut se cacher dans des buissons ou se transformer en buisson. Chose plutôt sympa, mais quand même parfois un peu relou. Bon, ce que je fais n'est pas ultra discret. Il reste combien? 15 personnes déjà? Merde, 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 merde. Oh, je fais un truc con. Allez. Il est où le loot? Il est où le loot? Je regrette. Ouais, ah voilà. Il a le buisson. Est-ce que je prends le buisson? Ça, c'est un peu la question. Je sais pas si c'est une bonne idée de prendre ce buisson. Je sais pas, pour la simple et bonne raison. Je sais pas. Je sais pas. On est 14. Ouais, il reste 14 joueurs, enfin 13 joueurs avec moi. Je vais juste remettre correctement ceci. Ah, si je me fais avoir là, par contre, j'ai la rage. Oh, c'est con. Merde, merde, la zone. Trop d'hésitation encore sur des choses bêtes comme ça. Allez, moi je pense qu'on va prendre le buisson. On va se transformer en buisson et on va bien voir ce qu'on peut faire. Écoutez, c'est pour la première game, c'est fun. Allez, on va se transformer en buisson. Par contre, voilà. Je dis ça parce que vous voyez, si on se retrouve dans une zone comme notamment celle-ci, ça va. Mais quand je traverse la route, ça va pas quoi, c'est pas cohérent. Et je suis facilement repérable. Un buisson qui bouge dans tous les sens. C'est facilement repérable. Bon allez, c'est pour la première game. Et si ça se termine dans la ville, effectivement. Ah, le loot est là-bas. Le loot est là-bas. Et là, c'est quoi ça? C'est un type? Non, c'est pas un type. Le loot est là-bas. Ah, je veux pas camper, mais j'aurais jamais dû prendre ça. J'aurais jamais dû prendre. Ceci, ça va me limiter si je traverse la route ou autre. Je serais bien tenté d'aller prendre le loot, mais ce serait de la gourmandise à mon avis. Tout le monde va être focus dessus. Je vais essayer d'aller voir discrètement, tu vois. Je vais voir ce qui se fait. Ou je vais me coupler avec un pote buisson, comme ça, tu vois. Là-bas, ça build. Là-bas, il y a un type. Allez, monte ta tête. Monte ta tête, mon grand. Merde, il est où? Là. Il va aller sur le loot, à mon avis. Il avait la même envie que moi. Je ferais bien un check, là, de...
Je fais un check du live rapidement, voir s'il y a du monde. Ouais, il y a du monde, ok. Eh bah écoutez, salut à ceux qui sont là. Ça fait plaisir. Hop. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Par contre, je vais revenir sur le jeu parce que si je me fais défoncer, il y a un autre loot qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait l'ami là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Bon, les autres games seront plus dynamiques, hein. C'est juste que là, vu que c'est la première game, et on n'est plus que 6. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je tenterai bien de le contourner. Allez, on va pas rester là à camper. Ok. Ok, mais putain, je suis une bite. Ça build juste au-dessus. Où est-ce qu'il est? Ça vient de build juste au-dessus. Il était là, le salaud. Il y en a un autre. Il y en a un autre, alors où est-ce qu'il est? C'est moi ou... Non, c'est peut-être moi. Bah là, on va se bander direct, hein. On n'attend pas. Et première fois que je suis allé aussi loin. Finalement, le live va me faire aller loin. Et là, vous voyez les gars, on est pas mal du tout. Je vais prendre un petit peu de hauteur sans me faire repérer. Et vous voyez ce que je vous disais à propos du buisson. C'est que c'est pas toujours une bonne idée parce que vous voyez tout à l'heure, j'avais pas une vue excellente. Allez, on va essayer de le snipe. Ouais, il nous a vu. J'ai entendu du bruit. J'avais même pas vu le coffre qui était là. Le shield qui va faire du bien. Impeccable. Cette game est faite pour nous, les gars. J'y crois dur. Ah, je crois que je me fais roquette. Je me fais roquette. Je confirme, je me fais roquette. Allez, on prend le shield. Et on va essayer de calmer celui qui est là-bas. Ça doit être celui qui est là-bas. Ouais, à mon avis, c'est celui qui est juste là. Du coup, on a perdu la vue sur celui qui était en bas. Je sais pas s'il s'est fait avoir ou pas. Il y a peut-être du monde aussi là, ça a vachement build. Je sais pas où ils sont, j'ai pas de visu sur les trois derniers. J'ai aucun visu sur les trois derniers. Et ce qui est plutôt bon, c'est que nous sommes toujours dans la zone. Alors on est toujours dans la zone par contre. Par contre, est-ce que ça va chercher? Ouais. La chance qu'il a eu. Allez, monte ta tête. Viens juste montrer ta tête, toi. Allez, ça passe au-dessus. Non, lance pour nous. Ça passe au-dessus. Oh putain! Il est où? Il est là. Ah, il a loupé sa roquette. Mon gars, j'ai mis des protections. Tu ne mourras pas comme ça. À mon avis, il fait tellement de bruit qu'il va tirer pas mal de monde. J'espère pour lui qu'il va tirer du monde.
Hop. J'étais même pas obligé de la mettre celle-là, ça passait au-dessus. Allez, va chercher ton truc. Allez, viens, 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 viens. Le pire, c'est qu'il va vraiment venir me roqueter la gueule. Et que moi, du coup, je vais pas faire attention aux autres. À cause de cet enfoiré. Regardez. Allez, tiens, prends ça dans la gueule. Excusez-moi, excusez-moi, il était vénère, le gars. Ça arrive. Ah non, c'est moi. Putain, et je me fais peur bêtement. Je me fais vraiment peur bêtement, quoi. Alors, je suis dans la zone. Je suis impeccablement dans la zone. Donc, ce que je propose, c'est vraiment de se protéger un max. Il reste deux joueurs. Je sais pas d'où ça vient, ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Ok. Ça a l'air de bien tirer. Où est-ce qu'ils sont? Est-ce que je peux mettre un piège par là? Ouais, mais ça ne sert à rien. Allez, on tente. On va tenter un truc de fou, les gars. On va tenter un envol. Est-ce que j'ai quelqu'un par là? C'est la première fois que je suis allé aussi loin. Première fois en live avec vous que je suis allé aussi loin dans ce jeu. Papa, papa, papa. Papa, papa, papa. Alors attendez, on va tenter de s'étendre un petit peu. On s'embête pas là, les gars. J'aurais peut-être pas m'exposer autant, mais bon. Ouais. Ouais, ça tire. Ils vont venir me chercher petit à petit. Je sais pas du tout où ils sont. Où est-ce qu'ils sont? Là. Là, il y a un gars là. Où est-ce qu'il est, lui? Ah, je te vois, ok. Je le vois. Ça se fight en bas. Je sais pas s'il vient me chercher ou pas. Allez, viens mon gars, viens. Quel con. Victoire royale. Allez hop. Emballé, c'est pesé. Première game, première win. Si ça c'est pas de l'efficacité les gars, moi je sais pas quoi vous proposer. Bon, c'était pas une partie, voilà, mais en tout cas, on la win. Donc ça, c'est fait.